Ferrari F355 Challenge. Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le jeu F355 Challenge Passion Rossa sur Dreamcast. Alors c'est parti, j'ai appuyé un peu trop tard. Allez, c'est parti. Donc le jeu est sorti en 1999 sur la console de Sega. C'est un jeu, vous allez voir, assez intéressant. Alors on est parti directement avec donc le menu arcade, le mode championnat, le mode joueur simple. On a un mode de jeu grisé, c'est le mode versus puisqu'il n'y a pas de manette, et le mode network, on pouvait jouer en réseau sur internet. Bon, ça c'était assez énorme. On peut aussi donc régler les paramètres de sa voiture, on a les données du pilote, les options et charger ou sauvegarder la partie. Donc je vais par exemple dans le car setting directement pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire. Donc là par exemple, je veux changer notre nom. Nom du fichier, par exemple, bon vas-y, on va mettre le mien. Voilà. Ok. Je peux changer mon numéro si je veux sur la voiture. Alors je demande si le jeu est pas un peu fort par contre au niveau du son. On va baisser un tout petit peu. Voilà, on va mettre à 10 parce que c'est un petit peu fort quand même. Donc on va mettre par exemple, je sais pas, numéro 27 par exemple. Je peux changer la couleur de ma voiture. Donc je peux la mettre en jaune si je veux, je peux la mettre en noir, en blanc, en vert, en orange, en bleu et rouge, verte, enfin gris, vert, blanc, et c'est tout. Alors ça par contre, je comprends pas trop les jeux de couleurs, il aurait pu quitte à en mettre au choix autant qu'il y en ait plus. Bon, on va garder rouge. Je peux régler donc certains paramètres ici, le stabilisateur, le cambrage, les ailerons aussi à l'arrière. Et je peux sauvegarder, donc par exemple, il me faut 14 blocs rien que pour ça. Voilà. Oui, on va vraiment quitter. Ensuite, donc on va commencer, je vais montrer le mode single play. Une musique assez sympa. Alors voilà les circuits auxquels on a droit au début. Donc on a droit à pas beaucoup de circuits, hein. On a droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il y en a un peu plus à débloquer ensuite, hein. On en a environ voilà 5 de plus, et un dernier je prends en bonus. Donc on a droit au circuit de Motegi qui est un asphalte, on a droit aussi à Suzuka Short, on a droit à Monza, on a droit à Sugo, on a droit à Suzuka. Ah oui, la petite version de Suzuka et Long Beach. On va commencer par exemple avec le petit Suzuka. En tout cas, la musique s'affole totalement. On a deux modes de jeu. Donc on a le mode novice, on a le mode intermédiaire. Donc intermédiaire, c'est que l'on joue avec les palettes pour la vitesse. Ben, excusez-moi, je ne peux pas le faire tout de suite. Donc on a le mode automatique, c'est parti. On a le mode freining, donc les voies et les annotations indiquent le bon moment pour freiner, changer de vitesse, le tracé idéal du circuit est aussi affiché. On a le mode driving, donc conduisez sur le circuit en solitaire afin d'améliorer votre technique, vous n'aurez pas d'indication. On a le mode course, donc on verra plus tard, on va d'abord faire un mode driving normal, sans indication. Car setting, c'est parti. Your selection. Alors c'est marrant, toujours dans un jeu de Sega, il faut toujours qu'il y ait une petite voix derrière qui nous explique nos choix. Allez, c'est parti, donc nous sommes sur le circuit de Suzuka qui, vous allez voir, est correctement réalisé. Par contre, j'ai pas freiné, je suis parti totalement à la dérive. Donc là on est parti. Alors vous avez remarqué que la vue est assez spéciale, c'est-à-dire que c'est une vue à moitié cockpit, à moitié à l'extérieur. C'est comme si on était dans une décapotable pratiquement, sans la vitre devant. Alors je vais galérer un peu, vous étonnez pas. C'est un petit peu normal. Voilà. Les voitures sont assez compliquées à piloter. Les voitures ont tendance à déraper pas mal.
Donc la version courte, je crois que je me trompe. Oh là là, j'ai tapé. Oula. Voilà, donc on est parti. On est parti. Je peux, vous voyez en bas à gauche, j'ai les Z. Donc si juste je peux désactiver. Quand j'appuie sur la touche B, attendez, je vous montre juste ça d'abord. Je peux donc switcher sur les Z et désactiver si je veux toutes les Z. Par exemple là, je désactive. Je peux m'amuser à désactiver l'ABS aussi. Il me semble que là par contre je peux pas le faire. Ouais, c'est bon. Donc là par exemple, j'ai plus aucune aide. À part la boîte automatique. Alors vous allez voir, c'est du coup un peu plus compliqué à conduire, déjà que c'était pas trop ça. Voilà, un petit contre-braquage, le checkpoint, on rentre dans l'intérieur du virage. Alors la voiture qui a tendance à vraiment partir du cul. Oh allez, oh là là. Alors les mouvements sont assez amples, c'est pas spécialement réaliste. Mais il y a un bon feeling. Honnêtement, il y a un effet de... Enfin, un peu de drift en fait, la façon de conduire. Alors, vous allez voir, c'est assez brouillon, hein. Je suis très très mauvais. En tout cas, le circuit est très très bien réalisé, comme vous pouvez le voir, sur la piste, que ce soit les environnements. C'est un joli jeu. F355, c'est un très joli jeu. Ouais, faut vraiment que je freine comme un taré. Alors, j'entraîne un tout petit peu sur ce circuit, voilà, histoire de vous montrer après une course sans trop me faire démonter. Oh là là, j'ai l'impression d'être un. D'avoir jamais roulé de ma vie. Non, ralenti. Olé. On freine, on accélère. Olé. Alors, il y a une bonne musique derrière qui tourne en fond, hein, le jeu. C'est plaisir, on va dire, niveau son. Même si, bon, c'est. Ça rend le côté un peu arcade du jeu, hein. Il n'y a pas de. En plus, on a un mec qui parle en même temps. Oh la vache! C'est vraiment pas facile, hein. Je vous le dis honnêtement, j'ai du mal. Alors, je peux enlever le BGM, ce qu'on va faire. Voilà, juste pour vous faire écouter le son du jeu. Non, et pas d'ABS, hein. Alors, un temps assez gris. Vous voyez que sur ce circuit, il fera beaucoup plus beau que ça, hein, n'inquiétez pas. Oh oui. Avec la prise en main, au bout d'un moment, on commence à s'y faire un peu. C'est pas encore trop ça, mais c'est assez... c'est un peu mieux. Voilà, attention. Alors, on va décaler les plots, du coup. Allez, je vous propose d'arrêter sur cette petite séance d'essai. On va passer, par exemple, à une course. Oh, les LEDs sont vachement bien faites, c'est assez joli. Bon, bah, du coup, je vais mettre mon score, hein. C'est mon nom. Voilà. Donc, les voitures sont très bien faites. Bon, il n'y a qu'une voiture, hein, c'est toujours la même, il n'y a que la F355 dans le jeu. Ouais, la vue là, de la voiture, c'est magnifique. Hein. Honnêtement, la voiture est super bien faite. Alors, course change. On va faire exit. On va faire une course. On va faire une vraie course. On va faire. Enfin, une single play. On va prendre Monza par exemple en novice et on va faire une course directement pour montrer. C'est un jeu à ambiance, c'est à dire que. Alors je vais voir car setting, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah non, c'est vrai que c'est juste ça, donc je peux pas modifier les aides avant de commencer la course. C'est un jeu ambiance, c'est-à-dire que vraiment on est immergé dans le jeu, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des voitures, au niveau de la vitesse de jeu. Le jeu est à 60 fps.
Allez, attention. Poussons un jour la version américaine du jeu, même si c'est en français. Alors là, on aura quelques aides, Ouais, il a du mal à passer la seconde. Alors on a un petit tableau en haut qui nous montre à peu près notre position sur la piste et la position de nos concurrents. On a évidemment notre classement en haut, à gauche, donc 8 sur 8. Voilà, donc là... Hop, Monza... Ouh là là, attention. On va essayer de remonter, ça va pas être évident, hein. J'ai essayé de prendre la chicane mais je suis parti instantanément de l'autre côté à l'accélération. Et là aussi il fait pas très beau, c'est dommage. Voilà, on a... On sait qu'au niveau du freinage, la Ferrari, c'est pas une Formule 1, donc elle freine, faut freiner beaucoup plus tôt. Je vais encore enlever le BGM, hein. C'est horrible. Ah, je les vois en face, donc ça va. Je pensais vraiment que j'allais être à l'agonie, et en fait ça va, je peux peut-être les rattraper. Donc on a tracé en bas à droite aussi, hein, qui nous montre où j'en suis. Pareil, le circuit de Monza est assez fidèle, on va dire. Je dis assez fidèle, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont pas réalistes. Mais bon, c'est du chipotage, hein. Alors il y a les antiquettes partout, avec les pneus sur le côté. Oh, attention à la réaccélération là. Ok, on est pas mal. J'ai pas de vue arrière. Enfin, j'ai la vue arrière, la seule vue arrière que j'ai, c'est le rétro, hein, qu'on voit en haut. Ouais, j'allais dire, elle la passe vachement tard sa sixième la voiture. Ouah, 220 km/h, c'est pas énorme quand même. Alors, c'est un jeu qui est pas facile, hein. C'est un jeu où il faut quand même s'entraîner un minimum, donc c'est pour ça que là, vous l'aurez remarqué, je suis quand même dernier. C'est pas un jeu, voilà, de prise en main très 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 simple. Je pense qu'il y a moyen de vraiment s'amuser avec un volant. D'ailleurs, il y avait une borne d'arcade F355 Challenge pour l'occasion. Voilà, je freine, mais je freine tellement tard. Voilà, que je me retrouve dans le mur. Ouais, je pense que c'est fichu, là. Je sais pas à combien de secondes je suis. Alors je peux tourner avec la croix directionnelle, ce que je fais là, je peux tourner aussi avec le joystick. Mais avec le joystick, j'ai pas plus de facilité, honnêtement. Alors on freine, on prend l'intérieur, on tape pour le libérer un petit peu, c'est parfait. Donc je disais, voilà, cette vue un peu particulière qui donne l'impression de... Enfin c'est assez immersif en fait. Et ça reste, comment dire, beaucoup plus simple à gérer qu'une vraie vue on-board. Parce que la vraie vue on-board, on a quand même toute la voiture qui nous bouche la vue, hein. Enfin, au moins la vitre, le toit et les côtés. Là, on voit comme si on était à l'extérieur. Donc, du coup, c'est un peu plus simple à gérer. Elle est pas trop mal là, le passage de la chicane. On réaccélère pas mal. Voilà, on va dire que c'est le temps quand même de me mettre en condition. Parce que sinon c'est pas trop ça. Eh, il a fait une petite erreur devant, j'ai l'impression. Non, 230. On va freiner. Je sais pas en combien on peut rentrer dans le virage. Ouais, en troisième ça va être pas mal. Ouah, la réaccélération. J'ai pas soigné de la refaire la course. Mais je vais vous montrer quand même notre circuit. Ouais, j'ai commencé à la rattraper ceux de devant. Ouais, on a 230, 240, 250 je pense maxi. Sachant que la voiture peut aller largement jusqu'à 300. Hein. Donc on est 8ème. Petit effet de dégradé sur la couleur. Game over, évidemment. Bah, je pense qu'on va faire, c'est lancer un championnat pour vous montrer un petit peu.
Hey, ranking first sur le meilleur temps. Moi, ouais, peut-être sur le dernier temps, j'ai fait pas trop mal et encore, j'ai pris la chicane donc. Endo. Voilà. You ranking first. Alors, il travaille déjà triplé, celle de la ligne d'attaque, court change. Bon, on va faire un championnat. Alors, je pense qu'il faut régler sa voiture hein, pour être assez rapide. Ce que je ne vais pas faire là. Alors, on va faire le mode championnat. Faire le mode championnat. Voilà, donc bon, on va garder le mode novice, hein, parce que pour l'instant on n'est pas trop au niveau. On peut faire un test run, on peut démarrer la course. Au niveau de la voiture, est-ce que je peux modifier certains trucs? On va baisser un peu les ailerons. Allez, c'est parti. Nous sommes partis. J'enlève le BGM, évidemment. Ah, j'ai essayé de doser mon accélération, mais le SC, on se demande à quoi il sert. Hein. Parce que franchement, j'ai géré que dalle. Ok, alors nous sommes partis. J'ai du mal à doser avec la petite croix directionnelle, mais bon. Je prends l'intérieur, hein, comme ça je gagne de la vitesse. Pas de la vitesse vraiment, mais des mètres à faire. Alors je vais essayer de doser avec le joystick, mais vous voyez, c'est impossible, hein, je suis quand même désembardé. Oula. Non, ça passe pas du tout. Une fois, il faudrait que je freine. On va retenter, il y a 4 tours à faire. Et là il fait un petit peu plus beau sur cette piste. Ça c'est cool. Donc on voit la position du leader hein, sur le circuit, je pense que vous l'avez vu en bas à droite. Et ça va passer à 238 celui-là. Ouais, 230, ouais, j'ai dû ralentir sur la fin. Alors on va pas se faire avoir, hein. On va essayer de... Ouais, une bonne réaccélération, ça va me permettre de revenir un petit peu sur eux. C'est pas mal. Allez, la mission ne pas terminer dernier. Ça va pas être facile, mais il y a moyen peut-être d'y arriver. Il reste 2 tours. Ouais, on tente la réaccélération au maximum. J'accélère le plus tôt possible pour avoir la meilleure vitesse de pointe dans la ligne droite. Et allez, on est pratiquement revenu sur eux. J'ai envie de ne pas finir dernier au moins une course sur ce jeu, sinon c'est trop lent. Ah, ils ont une trajectoire différente de la mienne, donc ça doit peut-être pas aider que je fasse ça en fait. Ouais, quoique, j'accélère pas mal. Eux ils sont à l'extérieur, moi je suis un peu plus à l'intérieur. Après, il y aura peut-être l'aspiration qui va jouer. Allez, on est dans le dernier virage. Non, attends, je suis là, on accélère. Ouais, c'est bon ça. Yeah, je suis pas dernier. 7ème. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. Alors, je remarque qu'il n'y a pas d'effet d'ombre sous les voitures, c'est bizarre. Ouais, bah, ouais. C'est étonnant. Donc voilà, donc du coup je marque un petit point. Pourquoi le dernier a marqué un point aussi? J'aimerais comprendre. Peut-être parce qu'il a le meilleur tour. Best lap, bah non. Puisque le best lap c'est moi qui l'ai. C'est étonnant tout ça. Bon, on peut voir le replay. Je vais vous montrer un petit peu. Tant qu'à faire. Voilà. Petit replay.
No loading. Alors, les chargements sont pas très rapides, mais ça va, on va dire que ça reste correct. Par contre, pour le replay, il a l'air d'avoir du mal. Ouais, c'est bon. Alors, j'ose pas trop faire start. Si je start, j'ai l'impression que j'ai coupé le replay. Donc, on peut voir, voilà le circuit. C'est marrant parce qu'on peut voir que les spectateurs les plus proches sont en vertical. Alors que ceux au loin sont juste des textures posées. Bon, allez, c'est parti, next race. Alors Suzuka Short, c'est parti. On a roulé dessus une fois, donc on aurait pas trop mal s'en sortir. Alors BGMF, bon, il a gardé en compte. Ouais, j'ai essayé de doser, mais c'est vraiment à moins de passer directement la seconde, ça passe pas. Je peux pas passer la vitesse parce que je suis en mode beginner. Oh là là! Ouh la touchette! Ouh! D'accord, il m'a vraiment envoyé, ça m'a vraiment envoyé l'autre côté du circuit. On va essayer de le passer à l'intérieur. Non. Allez, on tente l'extérieur sur ce virage. Ouais, c'est pas mal. Ok, alors on freine, attention. Oh là, je les fous complètement dehors. On y va au chausse-pied. Oh, joli effet quand même de lumière avec le ciel complètement. Oh là là, là là, on sort complètement de la piste. Ça va taper. Et voilà, et du coup. On repart avant-dernier. J'ai l'autre voiture qui est sur le côté, on le voit sur le petit écran en haut. Bon, maintenant je suis allé au chausse-pied et du coup. Ça n'a pas servi. Je pense qu'il y aura l'aspiration derrière moi. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de doubler. Oh là 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 là, c'est pas évident quand même. Hein. Mais par contre, c'est vraiment super fun à jouer. Hein. Je vous dis franchement, essayez. C'est particulier comme aliment, mais c'est vraiment trop énorme. Quoi. On a l'impression d'être au maximum avec la bagnole, d'aller en drift à chaque fois. C'est vraiment cool. C'est un jeu qui n'est pas forcément simulation. Hein. C'est un jeu d'arcade à la base. Mais avec un petit côté, allez on va dire, compliqué, qui fait que du challenge. Ouah, là c'est bon, c'est passé. L'accélération c'est nickel. Alors ceux de devant par contre sont vachement loin. Je sais pas trop si je vais pouvoir les rattraper. Il reste un seul tour à faire. Oh là là là. Voilà, et du coup, quand je reviens sur la piste. Oh là là, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, on va essayer de gagner une dernière place pour la fin. Oh là 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 là, attention! Et voilà, alors là par contre. Bah, je suis dernier. Alors, dès qu'on touche le mur, bah, c'est logique, hein, mais on perd beaucoup de vitesse. Bon ben voilà, c'est dommage, je vais terminer dernier. Sauf si au dernier virage j'aurais à me faire défaire de lui. Alors accélération au taquet, non ça passe pas. Il y a le déport du poids qui est assez impressionnant. Allez, je vais peut-être essayer de l'avoir au dernier virage. Non, 8ème. Alors j'aime bien c'est qu'il me dit congratulations, mais au final je termine dernier. Bon bah j'ai fait n'importe quoi cette course hein, donc du coup je suis 8ème. Enfin la course suivante. Alors je pense que ça va être Monza. Il me semble que c'est Monza le 3ème circuit. On va regarder ça.
Allez, Monza, c'est parti. Deux tours cette fois-ci, par contre. J'aime bien l'effet de lumière autour du circuit. De la voiture qui passe là, c'est assez joli. Je trouve ça bien la musique, je sais pas pourquoi celle-là elle me plaît. Il y a un petit peu de Satriani, mais bon. Alors, dans les circuits qu'on n'a pas vus qui sont à débloquer, on a par exemple aussi le circuit du Nürburgring. Il me semble qu'il y a Imola aussi. Je sais plus ce qu'il y a d'autre comme circuit. Et il y a Laguna Seca aussi. Bon, je spoil un peu, désolé, mais bon, c'est pour vous dire un petit peu ce qu'il y a à débloquer. Voilà, il y a quelques circuits. Ce sont des vrais circuits à chaque fois, hein, donc ça, c'est cool. Enfin, je pense que j'ai trouvé la bonne technique, c'est vraiment prendre l'intérieur, réaccélération à chaque fois. Alors, la chicane que l'on prend à Monza, au début, c'est la chicane de l'ancien Monza, hein, puisque le jeu est sorti donc dans les fin 99. Allez, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Ouais, on prend l'intérieur, ça passe, nickel. Il y a aussi les effets de flamme derrière les voitures, ça c'est vraiment bien fait. Attention, on ralentit. Ok, donc là on est pas mal, j'ai un collègue juste à côté de moi. Je freine plus tard, je veux dire, pour qu'il soit derrière moi. Et là j'essaie de prendre l'aspiration maintenant de la ligne droite. Attention de ne pas se faire toucher. On va essayer au freinage. Ouais, au freinage, au chausse-pied, ça peut passer. Ouais, nickel, accélération. Alors attention à l'accélération dans l'herbe. La voiture glisse vraiment. Et j'ai l'autre qui est en train de m'essayer de me rattraper. On va essayer de me doubler, je pense, à l'aspiration. Et non, pourtant, je vois pas sa voiture remonter sur moi, sur le petit cadran en haut. On va y freiner dans pas longtemps. Alors il est complètement à l'extérieur, moi je suis à l'intérieur. On va se croiser. Oh, attention. Il y en a qui font l'aspiration en haut, vous le voyez, sur le seul petit cadran. Et du coup je vais faire dépasser par les deux. Oh, attention. J'ai essayé de prendre l'aspiration moi aussi derrière lui, voilà, pour gagner du temps. Oulala. Oh, il fallait freiner. Oui, il fallait freiner. Il fallait freiner. Aïe aïe aïe. Oh la vache. Mais voilà. Bon bah là je pars dernier. Bon bah là par contre j'ai pas eu tellement de temps. Je crois qu'il n'y a pas de dégâts sur les voitures. Ça par contre je suis pas certain. Le problème c'est qu'on peut pas changer de vue. Donc du coup, bah, je vois pas mes dommages, mais je pense qu'il y en a pas, hein, de toute façon. Ou alors ils sont que visuels. Ouais, c'est le dernier tour. Ouais, ça va, j'ai réussi à bien prendre la chicane, ça permet de remonter. Vous avez vu, l'aspiration joue beaucoup, hein, donc ça c'est assez intéressant aussi. Surtout sur un circuit rapide comme Monza. Oh, la réaccélération, c'est parfait. Oh, il m'a tapé. Bon, pas de sponsoring, j'ai l'impression, sur le circuit. Non. Il n'y a rien qui ressemble à des vrais sponsors. Alors, on est côte à côte, c'est parfait. Je sais prendre l'aspiration. Sur le top pour moi, du coup. L'autre, je la dépasse aussi. L'aspiration sert vraiment, hein, parce que là, sans aspiration, je pouvais pas les rattraper. Donc là, ils vont freiner. Hop, les on freine aussi. Oh non, pas dans le virage, hein. Pitié, s'il vous plaît, quoi. Alors, on est côte à côte. Je vais essayer de mener l'aspiration de gars au fond, mais ça va être impossible. Ouais, je le double, je vais rester quatrième. Yes! Ah bah voilà, c'est un peu mieux, quatrième. Enfin. Alors là, il faut le next challenge, évidemment, la prochaine course.
Voilà, bon, ça fait 8 points. Alors, j'ai pas fait attention, mais en gros, quand on va vers le haut et vers le bas, on peut voir le championnat, le classement championnat et le classement de la course. Donc, je suis avant-dernier. Il me reste Sugo, Suzuka, Long Beach. Je vous propose qu'on fasse Sugo et on s'arrêtera là. Donc, le circuit de Sugo qui est assez vallonné, comme on peut le voir. Alors, test run. J'ai envie de faire un test run, mais on va pas le faire, tant pis. C'est parti. On va voir le circuit directement. Ready, son, ready to rumble! Oh, bon jeu d'ailleurs sur Dreamcast. Ready to rumble. Ouais, je vois vraiment pas comment, à part là, si je pouvais passer cette fichue seconde, comment prendre dans mon départ. Il faudrait se mettre en manuel, je pense. Alors, je ne connais absolument pas ce circuit. Donc là, ça va être une découverte. Une belle découverte. Ça n'empêche pas de foutre dehors, mais il y a quand même une découverte. En plus, on voit pas grand chose, on a l'impression que c'est le circuit est pratiquement de nuit. Ouais, et là j'ai pas fait des... J'aurais dû. Et voilà, voilà, bon dernier. Alors il y a le petit bruit du sable hein, quand on est dedans. C'est assez léger. Oh, j'aime beaucoup les sons de la voiture. Hein. Par contre, le son de la bagnole, là, ils se sont fait plaisir. Ça, c'est assez cool. Oh, ce virage, je sais pas comment le prendre. Donc c'est vrai que je mette pas assez du tracé qui est à droite, hein, mais là je sais qu'il y a une ligne droite du coup. Puis bon, je vais pas avoir de bons réglages, hein. Si j'ai encore les réglages avec peu d'aileron, ça doit pas aider. Voilà, j'ai pris l'extérieur, du coup j'ai glissé vers l'intérieur, pardon, j'ai pris trop l'intérieur, j'ai glissé vers l'extérieur, du coup la voiture, elle est partie d'un coup. Allez, on va accélérer au mieux possible. Alors là, on a un virage très long à droite. Sur 140 mètres, pas corde. Voilà, on va arriver dans la ligne droite. Là, j'accélère à fond. Si on a Dunlop quand même en sponsor. Longue ligne droite. Alors, les autres sont déjà dans le deuxième virage. Il y a 3 tours à faire. Gros freinage. Voilà, l'accélération. Oulala. Oh là, c'était dommage parce que j'avais bien pris le virage d'avant. Après, gros virage à gauche. Il est pas simple ce circuit. Je pense que c'est une histoire d'habitude, mais bon. Waouh, à chaque fois qu'on touche l'herbe là, on se met en danger. Hop, gros freinage, arrivé dans le double droite. Ah mais je suis trop à l'intérieur à chaque fois. Mais voilà, ils sont déjà à l'autre bout. Hein. Je pense qu'on les rattrapera pas. Une virage à 80, ça passe pas trop. Et du coup maintenant j'hésite à prendre l'intérieur. Et encore ce virage, on sent pas trop mal. Alors le décor, on va dire que les nuages ne bougent pas. C'est assez joli le côté rétroviseur aussi. Le circuit est assez bien rendu. Final lap. Alors qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bon, c'est un jeu qui a été converti de l'arcade, hein, comme souvent faisait Sega, parce que Sega était quand même le maître de l'arcade, hein, avec Namco pour les salles d'arcade, voilà, dans toutes les bornes. Et je n'arrive pas à me concentrer quand je parle.
coup je suis bloqué. Bridgestone, ouais, il y a encore un sponsor. C'est un jeu donc tout convertible d'arcade. Le jeu sur arcade est un poil plus joli évidemment. Mais la conversion Dreamcast est très bien réussie. Hein. Ça c'est une chose qui est certaine. Bon évidemment en arcade vous avez le volant. Donc à moins de prendre un volant Dreamcast, ce sera pas la même. Voilà, bon, je suis trop loin de toute façon. J'ai fait n'importe quoi dans le dernier circuit, dans le dernier tour. Voilà. J'adore quand elle part un petit peu en. En sucette la bagnole. Et on en a fini pour cette course où je vais terminer bon dernier. Bah écoute, là, rien à dire. Hein. J'ai été très 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 mauvais. Très mauvais et du coup, bah, au championnat, je vais repasser dernier normalement. Alors les jantes ne sont pas en 3D par contre. Il y a l'effet de relief avec les pneus, mais il n'y a pas les jantes en 3 dimensions. Bon, après, faut pas exagérer, on est sur Dreamcast. Je crois que c'est pas le cas non plus d'ailleurs sur Gran Turismo 3. Je crois pas que les jantes sont en 3D dans Gran Turismo 3. Quoi qu'il en soit, voilà, donc je suis donc avant-dernier toujours au championnat. Voilà, donc écoutez, c'était F355 Challenge sur Dream Coast. On va mettre un petit digest replay pour l'histoire. Et oui, vous n'avez pas rêvé, vous avez entendu la petite notification MSN. voilà, donc c'était un très bon jeu, F355 Challenge, assez fun à conduire. Les musiques sont assez sympas, les graphismes sont très très bons pour l'époque évidemment. La maniabilité, on va dire sans faille, hein, c'est spécial mais c'est vraiment amusant. Les voitures sont bien modélisées. La vue bien choisie, honnêtement très bien choisie. Alors après je vous conseille franchement d'y jouer avec un volant hein, parce qu'avec la manette c'est pas trop ça, on tapote plus qu'on... On a du mal à gérer en fait pendant les virages, on est obligé de tapoter un petit peu le joystick, faire des gauche-droite pour bien équilibrer. Alors qu'avec le volant vous aurez pas ce souci. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, quant à moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.